On ouvre le volet politique au terme des travaux du conseil provincial en Ogoué-Ivindo. Eh bien, le secrétaire provincial est suspendu tout bonnement de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. La sanction a été prononcée par les hautes instances du parti. Nous vous laissons suivre un extrait de la déclaration lue par le porte-parole Anoué Kiki. L'inefficacité de la coordination provinciale matérialisée par l'absence du secrétaire provincial au cours de ses assises constitue un manquement grave de ce camarade face à ses obligations. En vertu des dispositions de l'article 154 des statuts du Parti démocratique gabonais, ne pouvons plus tolérer de pareilles désinvoltures à ce niveau de responsabilité au moment où le Parti démocratique gabonais amorce des réformes d'une grande ampleur devant aboutir à sa régénération et à sa revitalisation. Le secrétaire provincial de la province de l'Ogoué-Ivindo est donc suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Le secrétariat exécutif invite à nouveau et solennellement les camarades des 8 autres provinces à s'inspirer scrupuleusement de la méthodologie mise en œuvre par la province du Wellington. Enfin, le secrétariat exécutif, par la voix de son secrétaire général, rappelle avec assurance et certitude que le mode de choix des membres du bureau politique, des membres du Conseil national et du comité central de notre parti est l'élection et rien que l'élection. Aucun autre précédé n'a été retenu par le distingué camarade président.